l'homme n'est pas un être doux, en besoin d'amour, qui serait tout au plus en mesure de se défendre quand il est attaqué, mais qu'au contraire, il compte aussi à juste titre, parmi ses aptitudes pulsionnelles, une très forte part de penchant à l'agression. En conséquence de quoi, le prochain n'est pas seulement pour lui un aide et un objet sexuel possible, mais aussi une tentation, celle de satisfaire sur lui son agression, d'exploiter sans dédommagement, de s'approprier ce qu'il possède, de l'humilier, de lui causer des douleurs, de le martyriser et de le tuer. Bon, vous finirez de lire Le malaise dans la culture de Sigmund Freud pour le prochain cours. Bonne fin de semaine. Hey Carlos, qu'est-ce que tu fais ce soir? T'attendrais-tu venir à mon appart, chouser un peu et écouter un peu de Dendrix? Je sais pas. C'est pas trop mon fort, moi, chouser. De toute façon, ma blonde voulait passer une soirée tranquille avec moi. Hey, let's go! Faut seulement que tu m'aimes, hein. Une fille dans mon cours de français, une vraie. Vraie bombe sexuelle. C'est pas mal sûr que je m'en fasse ce soir. Ah ouais? Ouais. Pipi. Mais Chris, réveille les gros, c'est pas mal de ta faute, mon char escape. Tu t'appelles pas l'autre jour à l'épicerie? Tu passes un 4 pièces, le gros? J'attends pas casser un main. Et voilà. Il va vous donner le reste, gardez la monnaie, bonne journée. Je vais payer par intérêt. Je m'excuse, l'intérêt fonctionne pas aujourd'hui, je suis désolée. J'en reviens. C'est bon. Bon ballon. Excusez, j'étais ici tantôt. Je veux juste. Excuse mon garçon, là, mais tu vas aller faire la ligne comme tout le monde en arrière. Ouais, mais ma commande est commencée, là, que tu vas aller en arrière, tu vas aller faire la ligne en arrière des autres. Ouais, la grande, on va faire la ligne. Ouais. Donc, gros, là, c'est comme ça, section des tampons, mais... Hey le gros! Le gros! Hey le gros! Tu me le payes-tu ton chat ou pas? Ouais, mais pourquoi tu vas pas au cinéma à la place? Y a-tu une banquette arrière dans un cinéma? T'sais! Si tu veux. Ouais, tu me le prêtes-tu ton chat? Ok, ben viens chercher chez nous à soir. Correct, ciao. Salut! Hé hey, merde, Carlos, pourquoi tu te tiens avec un connard pareil? Ben, il est correct, tu peux... Il est cool, il est drôle, tout le monde l'aime, ce gars-là. Ben voyons donc, ce gars-là, il s'occupe même pas de toi. Je te gâche qu'il sait même pas ton nom. Il est toujours là, hey, le gros fait ci, hey, le gros fait ça. Ah, Carlos! Oh non, il a enlevé 70$ de ma paye. Il a pas le droit de faire ça. Hey, je vais aller le voir, j'aille parler. Parce qu'il y a une erreur sur ma paye, ça serait super important, là. C'est quand même 70$. Ce sera pas long. Monsieur Minivet, on vous demande à la réception. Ouais, il y a un problème, jeune. Bonjour, Monsieur Minivet. C'est à propos de ma paye, je l'ai reçue tantôt. Et puis, vous m'avez enlevé 68$ pour la pile de verre que j'ai échappé. J'ai pas payé ça, c'était un accident. Écoute-moi bien, mon petit, on va tirer ça au clair tout de suite. Ici, dans le shop, là, il y a un boss. Le boss, ben c'est moi. Ouais. Quand je te dis tu fais quelque chose, Chris, ben tu le fais. Puis si tu casses une pile de verre, ben t'as payé, sacrement. Fait que ton 70$, là, ben faut que tu les dans ce que je pense, faut que tu les dans le cul. Fait que là, tu sais qu'est-ce que tu serais à faire pour aujourd'hui. Ça a de l'air. On ne dérange pas Gigi plus longtemps que ça. C'est clair? Excuse-nous, Gigi. Hey, le gros, fais-moi une pièce, man. J'ai vraiment, vraiment faim. Hey, je te le dis, man, Vince, ce tabarnak-là, là, c'est une vraie banque à deux pattes, man. Tu peux lui demander n'importe quoi, il dit vraiment jamais non. Hein. Avec tout le cash qu'il m'a prêté, man, je dois devoir au moins 200$. Chris, me le présenteras, Carl Amoureux. On va être un bon chum à avoir. Ah ouais, man, puis en plus, c'est...
Hey Carl, justement, man, je voulais te voir. T'aurais pas un petit verre à me prêter pour en fin de semaine? Je suis vraiment sec. Je te passe encore de l'argent? Je te l'ai dit que j'avais pas d'argent, tabarnak. Ah ouais, Chris, je te l'ai dit. Ben, moi non plus, j'ai pas l'argent, les gars. Oh, arrête de niaiser, là. Je sais que t'es un gros Chris de plein de cash, là. Ah oh, ouais. Ben, écoute, Roger, je pense à ça, puis je pense que je suis en train de prendre une décision, là, puis je t'en passerai pas d'argent, puis je t'en passerai plus jamais. Puis pourquoi je t'en passerai, hein? T'es rien qu'un esprit fatigant. Tabarnak. Hey gros, veux-tu faire mes photographies, man? J'ai pas le temps de les faire. Thanks, man, t'es un chum. Hey les gros, t'as sûr un peu me prêter, man? Donc, qu'est-ce que c'est ton chum? Je sais pas. Allez, je suis en retard. Assez de parler, gros. Tu me donnes-tu tes clés, là? On va manquer le film, sinon. Je pensais à ça, Pat, puis je t'ai passé plus les clés de l'auto. Quoi? Comment ça, tu me prêtes plus ton chum? Pour qui tu te prends, là, le gros? Tu m'as dit tu me le prêtais, puis là, tu me le prêtes plus? Écoute, mon petit nom attend après toi, là. Que je commence à être pas mal tanné que tu m'appelles le gros. Je suis pas si gros que ça, je suis peut-être un peu enrobé, c'est vrai, mais... Gros, Chris, je suis pas gros, mon nom c'est Carl. Le savais-tu? Ok, excuse-moi, là, le gros... Carl! Tu m'éprêtes-tu tes clés ou bien tu veux finir ta petite crise, hein? Quoi, le père, calice, tu comprends rien? Je te passerai pas à mon char. Pour qui tu prends que venir ici me demander mes clés? Tu sais qu'on était des chums depuis secondaire 3? Non, correction, père, tu me fais chier depuis secondaire 3. Écoute, là, ça va pas les insultes, là. Je pensais que t'étais mon job et que je pouvais compter sur toi, là. Tu me déçois énormément, Carl. Excuse-moi, le gros. Mets-toi en silence, là. Champagne, le gros. C'est ça. Tu trouves ça drôle? Tu viens d'envoyer chier Patrick Larivière, le gars le plus populaire de l'école, puis tu trouves ça drôle? Tu viens de perdre le meilleur ami que t'auras jamais. Au contraire. C'était pas mon ami, ce gars-là. Tu comprends pas que c'est un fake? Il servait de moi. C'est comme si je m'étais libéré de l'enfer. Je trouve que toi non plus, tu t'occupes pas tellement de moi. Mais voyons donc, mon petit pouce, c'est pas vrai, ça. Je fais plein de choses pour toi, moi. Comme quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu vois, tu le sais même pas. C'est qui porte les sacs d'épicerie? Hein, c'est qui fait le ménage ici dedans? C'est qui te masse les pieds le soir pour que tu t'endormes? T'es comme Pat dans le fond. Écoute, pense-y un peu, ok, moi je vais aller prendre une marche, là, je vais faire des affaires sinon. Il y a deux façons de pas subir l'enfer que nous formons d'être ensemble. La plus facile est de l'accepter, vivre avec, et même d'en devenir une part au point de ne plus l'avoir. La seconde est risquée et demande un apprentissage continuel. Trouver qui et quoi ne fait pas partie d'enfer et de lui faire durer, de lui faire place. Je suis un crétin, un égocentrique. Je suis un pas de cœur, un pas de classe, un charmeur, courroyeux, venu-pied. Je t'appelle juste quand j'ai un lift à têter. Quand j'ai le goût de me coller sur toi. Quand j'ai pas une scène que je veux boire puis fumer sur ton bras, à mon goût, à ma santé, à mouer. Je suis un crétin. Charnel, mais pas cher. Ha ha ha.